drop it. Hey, salut à tous et à tous les amis, c'est Jérémy. On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo. On est tout de suite parti pour deux étapes dans ce tour avec la canon d'El Garmin. Donc étape 18, Gap Saint-Jean-de-Maurienne, étape 19, Saint-Jean-de-Maurienne. La tout suivre. Donc c'est l'avant-dernier épisode, et oui, avant-dernier épisode de ce tour avec la canon d'El Garmin. Donc les gars, en tout cas moi je vous dis à tout de suite pour l'arrivée de cette étape. De retour les gars, on est à 15 km et quelques. Donc vous pouvez voir que on a Andrew Talansky qu'on avait fait partir en échappée et qui du coup roule pour nous maintenant. Prends Andrew mec, tu vas rouler à fond quoi. Qu'est-ce que tu fais mon gars? Donc il roule pour nous Andrew Talansky. On est en bonne forme avec Dan Martin, du coup on va essayer de faire une bonne chose dans la bosse. Mais putain, mais qu'est-ce qui est con celui-là? Oui, mais c'est pas pour dans deux secondes t'arrêter quoi. Allez toi tu t'arrêtes maintenant. Wow. Et là c'est qui vont comprendre un peu trop vite. Allez Dan Martin. Où est le deuxième du général? What? Je ne vois pas le deuxième du général. Je ne sais pas qui c'est le deuxième. Ah si, c'est Quintana. Oups, j'ai rien dit. Je le vois très bien Nairo Quintana. Je le vois très très bien. Bon du coup on va attaquer dans le prochain lacet. La technique des lacets. Eh oui les gars. Allez Dan Martin. Dan Martin qui attaque dans le lacet. Non mais il a du mal hein. Il a du mal. Ah non c'est Thibaut Pinot qui a du mal. Excusez-moi. Thibaut Pinot qui va pas tarder à lâcher je pense. Thibaut Pinot qui est pas énorme. D'ailleurs si Quintana pouvait également lâcher ça serait cool. Ça serait vraiment cool pour nous. Quintana si tu pouvais péter. Merci. Ouais bon si je me fais lâcher quoi. Il y avait Nairo Quintana, vainqueur du Giro d'Italie en 2014. Allez, allez Dan. Oh putain, il attaque. Attaque de Nairo Quintana. Et ça, c'est pas bien pour nous. On peut pas suivre. Allez, c'est bon. Le ravito c'est fini, allez hop. Allez on essaie de faire une bonne descente avec Dan Martin. Allez hop. Dan Martin qui a fait un petit trou, il a fait un petit trou Dan Martin. Ouh là là, ou Dan Martin qui est plutôt bien par contre. Et attaque de Alejandro Valverde derrière, qui fait l'effort pour revenir. Et c'est Chris Froome qui est revenu, mais ils sont obligés de faire l'effort en sprint. Nous on n'a pas encore fait d'effort au sprint.
Il n'y a que Valverde, je pense, qui peut nous battre au sprint. Il n'y a vraiment que Alejandro Valverde qui peut nous battre. Et ouais, Alejandro Valverde. Alejandro Valverde qui va remporter cette étape. Il va remporter cette étape, Alejandro Valverde. Et nous, on fait deuxième. On fait deuxième derrière Alejandro Valverde. On va se retrouver, les gars, tout de suite pour les classements. A tout de suite. Victoire de Alejandro Valverde devant Dan Martin et Christopher Froome. On est Nairo Quintana derrière. Contador, Nibali, ok. Donc, au classement général, on est plus qu'à 7 secondes. Et franchement, les gars, on a fait une énorme remontée au classement général. Magnifique. Magnifique la remontée. Donc, Andrew Talansky, deuxième au maillot à poids. Donc, les gars, je vous retrouve tout de suite pour l'arrivée de cette étape. A tout de suite. De retour, les gars, on est à 7 km 8, voilà. Donc on a Pierre Rolland en tête, donc qui va faire une excellente remontée au général si ça continue comme ça. Nous on est tranquille, voilà, un petit peloton de 20 coureurs, voilà, on n'a pas de problème pour l'instant. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Après voilà, donc ouais, donc, je disais c'est tout. Donc faut pas qu'on perde de temps sur Quintana et Pinot, ils nous ont dit. Donc ça va être chaud, mais bon, je pense que c'est possible. Si on fait comme ça jusqu'à la fin de l'étape, c'est largement possible. Mais bon, je sais pas s'il faut un écrémage ou quoi, c'est d'essayer de faire un écrémage, mais bon, ça a pas l'air pour l'instant de marcher. Waouh quoi. Là il y a juste derrière, c'est un peu et attaque de Nibali. Attaque de Nibali. Allez, allez Dan Martin. Allez Dan Martin. Ah là là. Ah, Nairo Quintana, beaucoup trop costaud. Hein. Beaucoup trop costaud Nairo Quintana. Je vous l'avais dit que ça serait très très dur de faire un résultat sur ce Tour de France. Sachant qu'on n'est pas un grimpeur avec Dan Martin, on n'est vraiment pas un grimpeur du tout même. Enfin, on peut pas dire qu'on est nul, voilà, on a moins 3, moins 1, enfin voilà quoi, mais bon. Quand même, on n'est pas le meilleur. On n'est pas du tout le meilleur même en montagne. Regardez Christopher Froome qui si. J'ai quand même, regardez, quand même, j'ai des notes moins partout comparé à eux. J'ai des moins partout, à part en vallon, voilà, c'est tout. Ouais mais ça c'est normal, c'est quand même Nairo Quintana. Allez. Hop, allez, allez les gars, allez, putain, faut qu'on le fasse ça. Faut qu'on réussisse à tenir. Il reste encore deux étapes de montagne, hein. Il reste encore deux étapes de montagne. Non, une étape de montagne, pardon. Donc ça va être chaud, ça va être très très chaud. Attaque de Gesink, attaque de Robert Gesink. Ouais, très grosse performance de Quintana et Nibali. Ils sont costauds les deux, ils sont très très costauds les deux. Thibaut Pinot en défaillance. Thibaut Pinot qui est pas... Il est pas super Thibaut Pinot. On va revenir sur lui, sur Thibaut Pinot là. Et ouais, Thibaut Pinot qui va largement perdre son maillot jaune. Et nous on ne va pas perdre de temps sur lui, donc c'est plutôt cool. Même si c'est pas vraiment un objectif de ne pas perdre de temps sur Thibaut Pinot. En tout cas les gars, on va se retrouver tout de suite pour les classements. A tout de suite. De retour les gars pour les classements. Victoire de Pierre Rolland. Donc nous on arrive. Je suis content quand même de ce qu'on a fait. Donc Nairo Quintana maillot jaune devant Pinot, Nibali, Martin. On est encore en route, hein. On est encore en route pour pourquoi pas un top 3, mais ça va être très très chaud. Mais j'arrive à faire un top 3 avec Dan Martin, je suis tellement heureux les gars. Vous pouvez pas imaginer. Les gars, en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour ces deux étapes qui. Enfin cette étape surtout qui va faire mal. En tout cas je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.